Excellent dimanche à toutes et à tous. Soyez très vigilants aujourd'hui dans vos déplacements et dans vos loisirs sur l'est du pays. Nous sommes en vigilance orange. Nous attendons des orages forts avec des précipitations importantes, des bourrasques aussi, surtout l'est du pays. Nous avons 16 départements donc en vigilance orange, orages violent accompagné de grêle. Du côté du ciel, c'est un ciel chaotique. Nous avons eu une remontée instable en provenance d'Espagne. C'est un front qui s'est organisé. Nous le retrouvons des Pyrénées au Massif central ainsi que sur le centre, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. À l'avant de ce front froid, nous avons beaucoup d'instabilité sur le nord-est, la région Rhône-Alpes, le relief des Alpes et la Provence aussi. Épargnez le littoral méditerranéen ensoleillé et la Corse. Et sur l'ouest de la France, du Poitou-Charentes jusque la Bretagne, vous aurez des belles éclaircies avec quelques ondées. Nos températures, eh bien, elles sont très élevées à l'est. Il fait chaud, lourd, orageux, 28 à 33 degrés attendus. En revanche, elles ont chuté à l'ouest, 17 à 24 degrés aujourd'hui. Demain matin, ça va se calmer. On va retrouver quelques petites averses résiduelles sur les frontières de l'est avec encore quelques ondées. Vous le voyez, du nord jusqu'à la région Rhône-Alpes, le relief, bien évidemment. Une petite poche d'instabilité se crée encore sur le Bordelais et le nord de l'Aquitaine. Quelques averses, celle-là, mais dans l'ensemble du soleil. Encore quelques nuages résiduels, quelques gouttes de pluie sur les côtes de la Manche et les températures minimales, elles seront assez contrastées. Nous avons encore de la chaleur dans le sud-est, mais elles sont assez fraîches, entre 11 et 15 degrés sur les autres régions. Normalement, dans l'après-midi, ça devrait être un petit peu frais sur l'ouest du pays. Belle journée, bon appétit, on fête prospère aujourd'hui.